Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui vlog numéro 2. Alors là on est dans la voiture, on part à Lyon. On est mercredi 7 septembre 2015, il est 11h40. Je pars à Lyon chez Jojol, pour les intimes c'est Johan. Et je vais passer 2-3 jours là-bas, donc mercredi, jeudi et vendredi. Donc je vais là-bas pour faire des petites vidéos avec lui, donc ça va être plutôt sympa de ce côté-là. Vendredi soir, je monte encore dans la France, je vais aller à Dijon cette fois-ci, donc je m'arrête plus. Je continue, je vais voir cette fois-ci de la famille, donc je pense pas que ça va vous intéresser, donc je pense pas vous faire un vlog sur ce côté-là. Dimanche soir, je retourne sur Lyon, donc dimanche soir, pour avant de repartir sur Nîmes lundi prochain et repartir sur Paris mardi prochain, mais ça on aura largement le temps d'y en parler. Donc moi je fais un blabla car pour aller à Lyon, donc je pense pas vous faire une petite vidéo pendant le trajet parce que bon déjà je vais conduire, là je suis à la place du conducteur et puis je vais pas sortir mon iPhone qui va faire GPS, donc ça va être assez compliqué. Donc quoi qu'il arrive, au pire on se retrouve à Lyon et pourquoi pas sur le trajet si j'ai le temps. À tout de suite. Est-ce que vous savez où je suis maintenant? Salut, c'est Jojo le youtubeur. Donc c'est bon, je suis bien arrivé à Lyon, on est mercredi, il est 17h. Johan vient de mettre sa petite vidéo en ligne. Donc c'est celle sur les petites décos que vous voyez derrière. Je sais pas si ça vous fait penser quelque chose, ces petites décos. Super Mario. Voilà. Et on va partir à l'Apple Store, parce que monsieur Johan a des petites courses à faire. Et ce soir on va faire un Burger King. Et peut-être qu'on va voir des abonnés. On a signalé tout ça sur les réseaux sociaux. C'est ça, voilà. Donc ça va être plutôt sympa. Pour ma part, c'est le premier Burger King. Donc surprise du chef. Voilà, surprise du chef. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre. Je crois que je vais prendre un Whopper, un truc comme ça. Mais après, je sais pas. Moi, je prends d'habitude le Bikini XXL. Donc j'ai jamais été déçu. Ouais. Donc, ok. Bon, je ferai confiance et je verrai au fur et à mesure. Et puis, si j'ai un truc à vous montrer dans la journée ou quoi, je vous le ferai partager directement parce que je suis venu ici, pas pour faire joli, parce qu'on va faire des petites vidéos. Et vous allez voir ça très rapidement sur la chaîne YouTube. Franchement, j'ai hâte. Yep. Allez, à toutes. Vous savez où on est là? On est chez McDo. On est à McDo. C'est un peu une frontière. Je pense qu'il a un peu vécu quand même, non? Et là on est chez Burger King avec monsieur Jojol et quelques abonnés. Je suis pas abonné. Là. Et le dernier. N'oublions pas. Ah, t'es pas abonné? Donc, moi c'est mon premier Burger King. Moi je suis troll sur les commentaires. Normalement tu devrais aimer. C'est vrai que la tête. Attends, je t'aide. Je te donne un assistant maintenant, c'est fini. Ah merde. Mais c'est quoi ce truc? C'est de la merde là. Bon, remboursé je pense. Bah écoute, ça a l'air plutôt mal hein. Ouais. Bon, on va goûter ça et si je meurs, tant pis, voilà. Bah allez, bon appétit. Bon, on vient de sortir de Burger King, vous l'avez vu. On a mangé avec monsieur ici ainsi que tous les abonnés de. Enfin, tous. 3 ou 4 abonnés sur les 100 et quelques milliers de monsieur. Donc là, on vient d'arriver. On va mater un petit film. C'est quoi déjà? Mission Impossible. Bah, Mission Impossible, Rogue Nation. Je suis bilingue. Et puis, demain, donc jeudi, on va faire pas mal de petites vidéos. On a hâte de vous montrer tout ça. Et logiquement, ça va être marrant, logiquement, le jour où le vlog sera sorti, vous aurez dû voir les vidéos. Donc, je vais pas vous en parler parce que peut-être on va changer niveau planning. Mais franchement, vous devriez pas mal rigoler. Et quelque chose à dire? Bah écoute, moi je me suis régalé au niveau du Burger King. J'espère que cette fois-ci j'aurai pas mal au ventre comme la dernière fois. Et puis voilà, j'espère qu'on va bien digérer cette nuit pour que demain on puisse passer une bonne journée. Grosse journée. Voilà, grosse journée, on a 3 vidéos à faire environ. Ouais. Donc, je vous partagerai tout ça en vidéo. Ça va pas chômer. Hein. On est motivé. Donc bonne soirée et à tout de suite. Alors c'est bon, jour 2 sur Lyon, on est toujours avec monsieur Jojol. Johan.
Là on est en train de vous faire une petite vidéo, on est jeudi 8, il est 10h. Une petite vidéo que vous allez voir, c'est le comparatif, plutôt le gros fight entre Johan et moi sur l'iPhone 6S Plus et le Galaxy S6 Edge Plus qui est à Johan. Et donc là on a mis un dispositif, là on vous fait passer un peu derrière la caméra, de trois caméras. Alors c'est compliqué, une là, qui va en fait faire plein de plans différents. Et cette vidéo elle sera pas sur ma chaîne, elle sera sur la chaîne de Johan directement, donc vous avez le lien directement dans la vidéo. Et puis c'est plutôt marrant, hein Johan? Bah ouais, ça va être plutôt rigolo, on va voir le résultat, j'ai vraiment hâte. C'est un fight, on se lâche complet, on fait les Apple Addict et le Samsung Addict, je sais même pas si on dit ça comme ça. et puis voilà, donc maintenant on va enregistrer la vidéo. On est à Lyon, c'est bon, on est venu dans Lyon, dans le centre-ville de Lyon, donc là on a le... Franchement, il fait beau. On vient d'aller interviewer pas mal de petites personnes pour la vidéo, donc vous avez dû voir samedi sur les comparatifs en fait iPhone 6, iPhone 6S, pour voir si les gens arrivaient un peu à voir la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Là on est en plein rush en fait, on passe de personne en personne. Voilà, c'est ça. Et pour l'instant on a parlé beaucoup avec des nanas. Et ouais c'est ça, et en fait les mecs à chaque fois soit ils sont pas disponibles, soit ils veulent pas, soit il y en a pas en fait, c'est ça. En fait à Lyon il y a que des filles, donc ceux qui sont en manque de filles, qu'ils aillent à Lyon directement. Ceux qui sont célibataires c'est pas mal. C'est ça. Et donc et puis on continue et on va vous faire vivre tout ça directement dans le petit vlog. Go. Alors on vient donc, on vient pas de revenir maintenant parce qu'il est quand même quasiment 21h. On est chez Monsieur Jojol, on vient de manger et tout, on a fait pas mal de vidéos aujourd'hui, donc il est là-bas. Ouais, on a fait 3 vidéos. C'est ça, ouais, lui de ce côté là il va faire un petit Skype, donc je vais pas faire ça longtemps. On a fait 3 vidéos, donc ce matin on a fait le comparatif, le fight entre le Galaxy S6 Edge Plus et l'iPhone 6S Plus. Et puis cet après-midi, donc jeudi 8 octobre, on est descendu dans Lyon, dans les rues de Lyon, pour aller un peu à votre rencontre et vous chercher, vous fouiner, pour aller vous poser des questions sur, pour ma part, l'iPhone 6S Plus et l'iPhone 6 Plus, pour voir si vous arriviez à savoir lequel était lequel. Vous avez plutôt bien joué le jeu, la vidéo est faite, je suis en train de la mettre en ligne. De base, elle est déjà en ligne puisqu'elle est sortie samedi et ce vlog, vous voyez, mardi. Et puis Johan a également fait une vidéo surprise, je vous dis pas le thème également, vous verrez ça d'ici quelques jours, c'est ça, hein? Il n'y a pas de pas de date encore. Peut-être même en novembre. Voilà, donc bon, voilà, vous avez le temps sur celle-ci. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que franchement, elle est top, vraiment. Les gens ont super bien joué le jeu et c'est cool. Ouais, c'est vraiment très sympa de ce côté-là. Là, donc jeudi soir, on va faire un petit périscope ce soir si tout va bien. Avec tout le monde en live et tout, donc ça va être sympa. Et me concernant, je repars demain sur Dijon cette fois-ci, donc demain vendredi dans l'après-midi je pars à Dijon jusqu'à dimanche, et puis dimanche je reviendrai sur Lyon le soir avant de repartir sur Montpellier lundi et sur mardi et sur Paris mardi. Bref, on aura le temps d'en reparler plus tard, donc bah à tous. Vendredi matin, enfin non, c'est plus trop le matin, c'est 14h20. Je suis toujours accompagné de monsieur Jojol, on est toujours chez lui. Il nous a fait de ses crêpes. Elles étaient bonnes. Un délice, je vous ai montré ce que ça donnait. Franchement, elles sont super bonnes, bravo. Et là, en fait, on s'est mis devant. Alors, je vais essayer de vous tourner ça comme ça. Devant, c'est quoi, Mario Kart Ouais, 64. Nintendo 64. Un rétro sur qu'il a branché sur sa Nvidia Shield. Ouais, parce qu'en fait, on peut installer tous les émulateurs qu'on a sur Android, ouais. sur cet Android TV, tout simplement. Ouais, et franchement, ça rend super bien. Non, c'est juste génial. Ouais, c'est génial de pouvoir rejouer à des jeux comme ça sur un écran 4K, même si c'est pas la 4K, mais on a franchement une définition
ce qui est super correct pour un jeu qui date de Mathusalem. Ouais, c'est sûr. Plus sa console qui permet de faire ce genre de jeu. Ouais. Donc c'est franchement c'est un super bon investissement si dans vous voulez rejouer. Vraiment cool. Ouais, rejouer à de ce genre de jeu. Tous les émulateurs sont possibles sur ce genre de. Bah, tous les émulateurs que tu as sur le Play Store, tu peux les avoir sur Android TV. Et après, bon, c'est à toi de télécharger les jeux. Mm-hmm. Et après, ben puis. Ouais, voilà. Puis c'est tout quoi. Donc, par contre, je pense que sur Apple TV, c'est pas possible. Je pense pas. Donc, il a fait un test de la Shield. Ouais, de la Shield. Donc, je vous mettais le lien dans la description et vous pourrez voir ce que propose cette Shield de Nvidia. Hop là, de retour dans la voiture, je pars donc de Lyon, j'ai quitté Monsieur Jojol, super bon moment qu'on a pu passer ensemble. Et bien depuis mercredi après-midi, on a fait 3 vidéos ensemble, 2 que vous avez vues ce samedi 10 octobre à 17h normalement, donc vous avez les liens dans la description de la vidéo. Jojol a fait une vidéo également que vous verrez cette fois-ci en novembre si je ne me trompe pas, qui sont vraiment vraiment cool, donc j'espère qu'elles vont vous plaire. De mon côté, maintenant je pars du côté de Dijon en voiture, donc j'ai 2 heures de route à peu près, donc c'est parti. On est bien à Dijon, on est samedi 10 octobre parce que hier j'ai oublié en fait de continuer la partie vidéo le temps que j'arrive et que je m'installe et tout. Donc bref, on est le samedi 10 octobre aujourd'hui, donc on est bien à Dijon. Je vais aller faire un tour en centre-ville de Dijon, à l'Apple Store de Dijon, parce que c'est la première fois que je vais pouvoir y aller, donc ça va être plutôt sympa de ce côté-là. Je vais essayer de vous filmer ça si j'en ai l'autorisation, parce qu'en Apple Store, je sais qu'on n'a pas le droit de filmer. Et puis, si j'ai quelque chose dans Dijon à vous montrer, je vous montrerai volontiers. Donc c'est parti pour cette journée du samedi 10 octobre 2015. En fait, on est lundi, c'est bon, je suis retourné à Nîmes, donc je ne vous ai pas filmé ce week-end parce que c'était pas très intéressant pour vous. Également les trajets et autres, donc vous avez vu un peu de Dijon. Donc hier soir, dimanche, j'étais retour sur Lyon, mais il n'y a pas eu grand-chose à vous montrer, donc je vous ai rien montré. Donc tout ça pour dire que ça allait 3-4 jours chez Jojol, c'était super sympa. J'espère qu'on a pu un peu vous faire vivre comment on a pu travailler, comment on a pu fonctionner. C'était très sympa, donc il y a eu 2 vidéos samedi qui ont été mises en ligne à 17h. Lui en sortira une autre dans le courant du mois de novembre, comme vous l'avez vu. Et puis voilà, pour le moment, c'est tout pour le moment, comme dirait la chère voix de la télévision. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, de ce petit truc que je vous aurai amené sur Lyon. N'hésitez pas toujours à me dire ça dans les commentaires, si vous voulez que je recommence dans l'avenir ou pas. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Et bien entendu sur la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bye bye, je vais mourir.